Aujourd'hui, on va vous montrer comment on va faire un capteur d'écran pour le Samsung Galaxy A14. Deux méthodes très faciles pour le Samsung Galaxy A14. La première méthode, c'est appuyer en même temps sur le bouton de volume en bas et le bouton de power pour ouvrir le téléphone. On va essayer en même temps. Tac. On C'est va très changer facile. le photo. Tac. C'est très facile. Juste tu appuies sur le deux boutons comme ça. Tchouk. Voilà, on va changer. Voilà. On va voir qu'est-ce qu'on a fait. Voilà. La capture d'écran. On peut encore faire comme ça. Voilà. Après, vous pouvez changer le cadre si vous voulez faire écrire quelque chose ou effacer ou voilà, comme ça. La deuxième méthode, c'est très facile aussi, d'aller aux paramètres et aller en bas, accessibilité. Appuyez accessibilité. Après, appuyez interaction et dictée. Voilà, comme ça. Après, assistant menu. Voilà, assistant menu. Et activer autorisé. Comme vous voyez cette icône, ou appuyez sur cette icône comme ça, vous pouvez sortir et choisir la photo. On va faire comme ça. Et appuyez sur cette icône, capture d'écran, tic, c'est bon. Vous pouvez faire un autre capture d'écran, tic, c'est bon, c'est facile. Cette Bouger, icône mettez est où où vous vous pouvez voulez. si vous voulez le faire un déconnexion, je vais te montrer. D'abord, je vais voir qu'est-ce qu'on a fait dans le capteur d'écran. Voilà. C'est facile. Si vous voulez faire un déconnexion pour cette icône, vous appuyez comme tout à l'heure. Interaction. Et déconnexion. Désactiver. Voilà. Merci à tous et une bonne journée à vous.